Yo les gars, salut à toutes et à toutes, c'est Serbé, comment allez-vous? Moi ça va super bien, on est parti pour une petite vidéo, un petit tuto sur Bloxroute, ça fait pas mal de temps pour moi. Donc on est directement parti sur comment avoir plusieurs fruits du démon sur Bloxroute. C'est assez simple, il y a plusieurs façons d'avoir des fruits du démon. Tout d'abord, la première façon, il y a une vidéo en description, mais c'est de trouver un fruit du démon par terre qui spawn au bout d'une heure et qui despawn au bout de 20 minutes. Mais très important, dans un serveur privé, il n'y a que deux fruits du démon qui spawnent. Une fois les deux fruits du démon pris, il vous suffira juste de réinitialiser le serveur pour avoir à nouveau des fruits du démon qui spawnent. Deuxième façon, c'est dans le nouveau monde, c'est avec la factory. Toujours une vidéo en description sur comment faire la factory. Mais pour pouvoir la faire, faites du coup level 700. Elle se trouve juste ici, en face du petit café qui se trouve là avec le château d'art, le château de Flamingo, juste ici. Toutes les 1h30, ça ouvre. Et ça, que ce soit dans un serveur privé ou public, toutes les 1h30, ça sera ouvert. Et vous aurez plus que 5 minutes pour la terminer. Troisième façon pour avoir un fruit du démon et dernière façon, c'est de random un fruit du démon. Vous allez juste dans la petite cafette ici et vous parlez au petit dealer. Il vous parle. Vous faites d'accord. Voilà. Donc, par rapport à mon niveau, il va me demander 253 000. Donc, ça, l'argent par rapport à votre level. Donc quand vous êtes level max, c'est 253 000. Voilà, vous êtes d'accord, on achète pour 253 000. Et voilà, j'ai eu mon fruit du démon qui est le fruit sand, donc le sable. Et j'ai aussi acheté des fruits, donc le fruit chop. Donc comme vous pouvez voir, j'ai deux fruits dans mon inventaire et je peux en avoir autant que je veux. J'aurai juste à appuyer sur le petit 2 clavier pour afficher ça et vous pouvez par exemple les ranger dans votre inventaire et ensuite les reprendre si vous voulez, si vous en avez tout plein ou pas. Toutes les 2 heures, vous pouvez random un fruit. Il y a une vidéo en description pour vous dire où est l'endroit pour random dans le premier monde. Et maintenant, comment avoir deux fruits du démon? Il vous suffit d'aller dans menu, boutique, et vous descendez. Vous allez voir ici, pour le deuxième fruit du démon. Et bah, c'est fou. Vous pouvez pas acheter un deuxième fruit du démon. C'est aussi simple que ça.